Bonjour tout le monde, c'est Vince Movies, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, pas de défi des 100 jours, on va attaquer une nouvelle playlist vidéo. Alors attendez, je corrige un truc. On va attaquer une nouvelle playlist vidéo, c'est-à-dire que l'on va faire une explication de bouquin, de livre. Donc j'ai acheté récemment La Magie de Rhonda Byrne, donc c'est la suite du film Le Secret, du livre Le Secret. Et je sais pas ce qui s'est passé, j'ai voulu l'acheter. Pourquoi ? Peut-être une intuition, il était là, comme ça il attendait. Et je pense que ce qu'il y a dedans est tout simplement magique. Et c'est pour ça que je voudrais vous en faire partager, enfin vous le faire partager ce livre, en fonction de moi, comment j'avance dans le livre. Donc par exemple, là j'ai bien avancé, j'en suis déjà au jour 3. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer depuis le départ. Il y a 28 jours dans ce livre, c'est-à-dire que pendant 28 jours, il faut se tenir de les suivre ces 28 jours. Et je vais vous faire ces 28 jours en vidéo. Je vais tenter de le faire. Donc si jamais j'ai un petit décalage, je rattraperai les 4 jours, par exemple, voilà, de décalage. Je vous les ferai en vidéo. Et le but, c'est de justement vous aider dans la quête du bonheur et du succès. Voilà, au même titre que le défi des 100 jours. Donc je continue le défi des 100 jours aussi à côté, mais je fais ça en plus. Donc l'avantage avec ce livre, c'est que vous avez 28 jours à mettre en œuvre. Donc tout d'abord, elle va vous introduire « Croyez-vous à la magie, un grand mystère est révélé, faites entrer la magie dans votre vie, un livre magique. » Ce livre est tout simplement magique, je vais le dire à chaque fois, mais en fait, ce livre, c'est tout simplement ce qu'on doit utiliser et qui n'a pas été révélé dans le secret, enfin, il a été révélé, mais pas à petite échelle. Et ce qu'on n'a peut-être pas notion quand on fait la loi d'attraction, qu'on fait du développement personnel, c'est la gratitude. Et en fait, indirectement, en lisant ce livre, en lisant le début, je le faisais, à petite échelle, mais je le faisais. Et donc je me suis dit, ben, pourquoi pas le faire à grande échelle et le faire tous les jours. Donc l'avantage avec ce livre, c'est que si vous suivez les 28 jours, vous allez apprendre à éprouver de la gratitude pour tout et n'importe quoi. Apprendre à avoir de la gratitude pour toutes les choses qui vous arrivent dans la vie. Et généralement, ce que dit ce livre, c'est plus vous donnez, plus vous recevez. Donc ça veut dire que si vous, déjà vous éprouvez de la gratitude pour quelque chose que vous avez reçu ou que vous n'avez pas encore reçu, mais vous allez le recevoir, vous allez recevoir davantage. Donc il est vraiment bien ce livre. Donc on va énumérer les jours qu'il y a dedans. Le premier jour, c'est apprécier votre bonne fortune, c'est-à-dire d'abord d'apprécier ce que vous avez déjà. Le caillou magique, alors c'est excellent, j'en suis à ce jour-là. Le caillou magique, c'est vous allez trouver une pierre par-ci, par-là, dans la nature, où vous allez avoir une pierre, vous allez vous trouver un petit objet fétiche que vous allez mettre dans votre poche chaque jour. Mais je vous en parlerai, voilà, on n'est pas encore au jour 2. Des relations magiques, donc pareil, une santé magique, de l'argent magique, un travail magique, ça c'est le jour 6. Jour 7, éliminer la négativité comme par magie. Jour 8, l'ingrédient magique, l'argent agit comme un aimant, jour 9. Saupoudrer chacun de poudre magique. Un matin magique, les gens magiques font une différence. Concrétisez tous vos rêves, donc là on est au jour 13. Passez une journée magique, rétablissez vos relations comme par magie. Magie et miracle pour votre santé. Le chèque magique, liste des tâches magiques, des pas magiques, la magie du cœur. Des résultats magnifiques sous vos propres yeux, l'air magique que vous respirez, la baguette magique, des signaux magiques, changez par magie vos erreurs en bienfaits, le miroir magique, rappelez-vous la magie, ça c'est le jour 28, votre avenir est magique, la magie n'a pas de fin, et à propos de Rhonda Byrne. Donc ça veut dire qu'avec ce livre, vous allez apprendre des techniques chaque jour à mettre en œuvre. Alors des techniques qui vont soit se répéter vraiment tous les jours, ou alors une technique par jour. Par exemple, le premier jour, on va nous dire de le faire tous les jours pendant 28 jours. Le deuxième jour, on va dire à partir de ce jour-là, vous allez le faire pendant 28 jours. Le troisième jour, on va le dire, vous allez le faire qu'une fois. Voilà. Et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, on va parler du jour 1. Appréciez votre bonne fortune. Ça consiste en quoi ça? Vous vous munissez d'une feuille chaque jour. Alors, tout d'abord, on va commencer très clairement. Très clairement, il faut d'abord établir ce que vous désirez dans la vie. Vous avez plusieurs catégories, donc vous n'avez plus qu'à les noter. Une catégorie qui s'appelle désir personnel. Une catégorie qui s'appelle bien matériel. Donc vous attribuez chaque catégorie par feuille. Santé et corps pour la troisième catégorie. Carrière et travail pour la quatrième catégorie. Argent pour la cinquième catégorie. Et relations pour la sixième catégorie. Et vous prenez le temps, quitte avant de commencer votre livre, si vous voulez l'acheter ou suivre justement cette playlist, faites-le. Vous imprimez des lignes comme ça ou vous trouvez un cahier à carreaux. Et vous faites 6 catégories qui sont notées comme ça. Et vous marquez vraiment tout ce que vous voulez sur le moment. Après cette liste, l'avantage, c'est qu'elle va évoluer petit à petit. Et une fois que vous avez ça, vous pouvez commencer votre jour 1. Le jour 1, c'est que chaque matin,
Donc vous voyez, je suis par exemple au jour 2 et jour 1, voilà. Vous, je l'avais déjà expliqué dans le défi des 100 jours en plus, vous allez être reconnaissant pour 10 choses dans votre vie ou 10 choses dans la journée qui s'est produite la veille ou quelque chose comme ça. Et vous allez commencer votre phrase par « Je m'estime vraiment chanceux d'avoir » et vous mettez, par exemple, moi j'ai marqué pour le jour 1 « Je m'estime vraiment chanceux d'avoir rencontré Iris Mittaner » qui est à l'heure actuelle Miss France et vous continuez par le mot « car » car elle est devenue Miss Univers. Et ainsi de suite, je suis très reconnaissant et heureux d'être tatata, car, voilà, j'apprécie énormément le fait d'avoir évolué aussi rapidement, voilà, car ou parce que, du fond du cœur, merci pour tout ou pour toutes les belles choses qui me sont arrivées ces derniers temps, parce que j'en garde de très bons souvenirs, voilà. Et vous faites une liste comme ça de 10 phrases de gratitude, et après vous le relisez une fois, et à chaque prononciation, chaque fois que vous avez prononcé la première phrase, vous vous dites merci, merci, merci. Donc ce qui va se passer, c'est que voilà, le processus créatif et de gratitude va entrer en action, c'est-à-dire qu'il va être vraiment extraordinaire par rapport à ça, et vous allez le ressentir au profond de votre cœur. C'est là la magie, elle opère. Et moi, en fait, là j'en suis aujourd'hui à mon jour 2 du caillou de gratitude, mais vous imaginez pas ce qui s'est passé hier dans ma vie. J'avais posé des intentions voilà, sur mes relations et tout. Et j'ai eu ce que je voulais le soir parce que j'ai éprouvé de la gratitude sur ce que j'avais déjà le matin. Et c'est franchement extraordinaire. Donc déjà, le jour 1, juste avec ce livre-là, de voir ce qui se passe dans votre vie, ça veut dire que sur les prochains jours, ça va être extraordinaire. Le jour 2, je l'ai lu parce qu'il faut le lire dans le livre. En fait, quand il marque à la fin de votre méthode, commencez à lire la page le jour 2 pour l'appliquer dès le matin, dès que vous commencez. J'ai appliqué le caillou de gratitude. Le caillou de gratitude, vous l'avez dans le secret, c'est de la pierre de gratitude, ce qu'ils appellent. C'est de prendre une pierre et de la mettre dans sa poche. Et le soir, quand on la sort de sa poche, qu'on la met sur sa table de nuit, de remémorer toutes les choses pour lesquelles on a éprouvé de la gratitude et de dire merci par rapport à ça. Donc, c'est pas la pierre qui va vous apporter ça, c'est tout simplement le fait d'avoir voilà, quelque chose sur quoi s'appuyer. Donc voilà les amis, c'était pour ce jour 1. Je voulais vous remercier à tous et toutes de me suivre. Vous êtes déjà 100 abonnés sur la chaîne. Je remercie également tous les commentaires. Donc voilà, c'est la vidéo de la gratitude. Vous inquiétez pas, je vais faire une vidéo du défi des 100 jours, sûrement aujourd'hui ou demain. On va voir en fonction de mon temps libre. Et pensez surtout à vous abonner pour les prochaines vidéos si vous voulez suivre la magie du coup. Pensez à liker également, un petit commentaire. Et moi, j'ai qu'une chose à vous dire. À la prochaine. Bye.